La torche olympique est actuellement dans l'extrême sud-ouest de l'Angleterre pour son troisième jour en terre britannique. Son parcours de lundi reliait la ville d'Exeter à Taunton. C'est Jonathan Edwards, médaillé d'or au JO de l'an 2000 à Sydney en triple saut, qui a eu l'honneur de porter la flamme sur une partie de son chemin. Les autres relayeurs étaient des anonymes sélectionnés au hasard. La surprise du jour a été la participation du chanteur star des Black Eyed Peas, will.i.am. Le chanteur âgé de 37 ans a pu amuser la galerie à travers la petite ville de Taunton, n'hésitant pas à esquisser un moonwalk avec la torche dans les mains. Il s'est d'ailleurs confié après son passage. C'était un moment surréaliste. Vous savez, je me souviens des Jeux de Los Angeles en 1984. J'étais petit, je regardais l'événement à la télé en rêvant d'être un jour aux Jeux Olympiques. Ça m'a fait comme un flashback quand j'ai reçu la flamme et couru à travers Taunton. L'autre star du jour était bien évidemment la flamme olympique, que certains des curieux découvraient pour la première fois. Mardi, la torche poursuivra son voyage à travers le comté du Somerset, avant de terminer son chemin à Bristol. Elle y sera reçue par la petite fille de la reine Elizabeth, qui amènera le précieux objet à Cheltenham à l'occasion d'une course hippique.